Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une cinquième de PCAQ, partie commentée avec questions. Alors déjà, je tenais à vous dire que je suis très 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 content de vos réactions. Comme je vous dis, hein, je participe pas à vos écrits et à vos interventions, mais par contre je les lis. Et en plus, vous avez vraiment joué le jeu, vous m'avez fait plaisir, vous avez mis plein de pouces bleus, vous avez... Voilà. Donc, je vous avais dit à partir de 1000 vues, ben, je mettais la suivante. Donc là, il y a eu 1000 vues de PCAQ, je vous mets la suivante. Voilà, donc c'est sympa. Je tenais à vous le dire, j'ai apprécié. Donc continuez, abonnez-vous et mettez plein de pouces bleus, ça me fait plaisir, ça me motive. Et plus vous serez d'abonnés, plus il y a de 1000 vues qui sont atteintes rapidement et plus j'en mettrai. Voilà. Donc à vous de voir. Sinon, donc il y a le Grand Prix de Majorque, le dernier Grand Prix FIDE qui commence aujourd'hui. Donc voilà, donc je souhaite bonne chance à mes deux joueurs préférés qui sont Maxime Vaché-Lagrave et Teemu Rajabov. Voilà, c'est un petit message perso. Et aujourd'hui, donc, on va regarder une partie entre Ulf Andersson et Krunoslav Ulak. Alors, c'est encore des noms que vous ne voyez pas tous les jours. Alors, peut-être que les plus chevronnés d'entre vous connaissent un petit peu Anderson. Je vais vous faire une petite présentation. Donc, Ulf Andersson, que vous voyez en bas, c'est un grand maître suédois qui est né en 1950. Il est toujours vivant. Mais 1951, excusez-moi. Et il a une particularité, Ulf. C'est un grand maître qui a la double casquette. Alors, c'est quoi la double casquette? C'est la casquette de grand maître international sur l'échiquier et aussi grand maître international par correspondance. Il y en a très très peu qui l'ont. Il y a Laitao de mémoire et encore un, je sais pas. Moi-même, je suis senior international master par correspondance, mais maintenant, les échecs, j'ai envie de vous dire, par correspondance, sont devenus un peu plus compliqués. Avec les ordinateurs, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Hein. C'est quand faut battre des joueurs qui sont assistés par des 3000, 3200 Elo, bon. J'arrive, mais bon, ça prend du temps. Donc, Ulf, évidemment, quand il était grand maître et quand les autres ont été grand maître, c'était il y a 6-7 ans. Voilà, les ordinateurs n'étaient pas encore forts, pas si forts, et voilà, c'était possible. Maintenant, c'est un titre de grand maître par an et encore, par correspondance, maximum, hein, dans toute la fédération. Donc, voilà. Ok, donc je continue. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc, sa carrière à Ulf Andersson. Donc. Il a été quatrième mondial à son pic. Donc son pic, c'était vers la fin des années 70, début des années 80, 82, 83. Il a gagné plein de tournois, dont Belgrade 1977, Hastings 1978, Vishkanze 1983, Reggio Emilia 1985, etc. Je sais qu'il avait encore 2640 en 1995, je crois, ou 94. Donc c'était vraiment quelqu'un de très fort et qui a été très fort. Alors pourquoi il est le plus connu, Ulf? Ben, parce qu'en fait, c'est un très très gros joueur positionnel. Lui, il est vraiment très fort. Par contre, par correspondance, c'est un très gros joueur tactique. Alors est-ce qu'il se lâche, est-ce qu'il met l'ordi? Je sais pas. Mais bon, voilà, il y a un gros contraste. Mais en partie longue, c'est vraiment un joueur positionnel hors pair. Il est aussi connu parce que c'est avec Florin Georgiou, dont je vous avais montré la partie l'autre fois, c'est aussi un des inventeurs du système Hérisson. Alors, le système Hérisson, vous savez, c'est ce que je vous avais montré l'autre fois. Ça se caractérise par une colonne C semi-ouverte et on joue un peu sur trois rangées avec les noirs. A6, B6, je vais vous faire les cases. A6, B6, D6, E6. Les cavaliers, eux, ils viennent en F6, D7, le fou, il vient en E7, lui, il vient en B7, voilà. Et il n'y a plus de pion C. Bon, c'est à peu près ça. Et en général, les blancs, ils n'ont plus de pion D. Le pion D a été échangé contre le pion C. Voilà, ça, c'est la caractéristique des hérissons. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, et le dernier point sur Ulf Andersson. C'est que c'est une machine en finale. C'est un joueur de finale monstrueux. Surtout les finales de tour. Donc si vous avez envie de progresser en finale de tour, allez regarder ses parties. Et il est aussi fameux pour gagner les finales qui ont l'air complètement ingagnables. Un peu comme Magnus Carlsen aujourd'hui. Magnus Carlsen, lui, il commence la partie quand tout le monde échange.
Ulf Anderson, c'était la même chose. À mon avis, ils sont copains. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà, enfin, dans les finales, il a une caractéristique, Ulf, c'est qu'il fait des petites améliorations, mais alors poussées à l'extrême avant de tenter des grosses opérations, quoi. Donc ça, on va le voir d'ailleurs un petit peu dans la partie, je vais vous montrer un exemple. Voilà, à peu près tout sur Ulf Anderson. Krunoslav Ulak, par contre, il est un peu moins connu. Lui, ça a toujours été un grand maître, c'est un grand maître croate, qui est né aussi en 1951, la même année que Ulf. Et ça a été un bon joueur, mais il n'a jamais percé, il n'a jamais été dans le top. Il a toujours eu dans les 2500, 2550. Donc voilà. Donc pas de gros titre majeur. Il a joué deux interzonaux quand même, c'est à signaler, en 82 et 87. Il a participé à trois Olympiades avec la Yougoslavie, 82, 86 et 90, et trois Olympiades avec la Croatie. 92, 94, 96. Voilà, c'est à peu près sa carrière. Moi, je m'en rappelle personnellement parce que j'avais joué un championnat d'Europe individuel à Ohrid et il menait le tournoi en Macédoine. Et il menait le tournoi qui était très, 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 très fort au bout de 4-5 rondes. Il avait battu des très forts joueurs, je sais plus qui, mais voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le topo sur les joueurs. Donc, je le fais parce que vous m'avez tous dit que vous aimiez bien. Et j'arrête de dire, je fais le truc en 10 minutes parce que j'y arrive jamais, donc je le dis plus. Cette fois-ci, on va avoir 5 ou 6 questions, je sais plus, je crois 6. Donc, et la partie que je vais vous montrer, elle est quand même assez technique. Donc, comme je l'ai dit, hein, je vais donner des questions qui sont en général difficiles. Ça va vous faire chercher. J'attends pas à ce que vous trouviez quoi que ce soit. Hein, c'est quand même très difficile. Mais c'est des questions qui sont posées à des moments clés. Et justement, les réponses, elles vont vous apprendre quelque chose, quel que soit votre niveau. Donc, je pense que c'est assez difficile, hein, même pour des très forts joueurs. Donc, mais par contre, c'est regardable par tout le monde, même les amateurs. Voilà. J'essaie de résumer un petit peu comme je peux. Allez, on va commencer. Donc, du coup, Ulf, il joue cavalier F3 au premier coup. Donc, c'est un joueur qui est donc très positionnel, qui joue souvent des C4, des cavaliers F3. Il joue assez rampant, on appelle ça. Donc, on va voir. Cavalier F6, C4, C5. Donc, ça me parle un petit peu, ça, parce que dans mes Sky is the limit, j'ai souvent du C4, C5. Je mets pas forcément mon cavalier en F3, hein, moi. Je joue plutôt cavalier C3, G3, après peut-être E3 ou E4, voilà. Mais c'est possible de jouer aussi cavalier F3. G3. Donc, Ulf, comme c'est un des inventeurs du système hérisson, bah, il a rien contre que son adversaire joue une hérisson. Comme je vous l'avais expliqué dans la partie de Georgiou, pour jouer une hérisson, il faut être deux. Et là, justement, les noirs ont la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'ici, si les noirs jouent B6, fou G2, fou B7, roque, là on est dans une hérisson parce qu'à un moment donné, les blancs vont jouer D4, les noirs vont prendre et on aura un système hérisson. Ici, à noter qu'on peut jouer soit le hérisson classique, avec E6, comme dans la partie de Georgiou, ou on peut jouer comme Karjakin avec G6, un hérisson avec un double fianchetto. De toute façon, les blancs vont jouer D4. Donc voilà. Donc à ce stade de la partie, les noirs auraient pu jouer B6. Au lieu de ça, ils ont joué un fianchetto, donc on a une position symétrique. Alors ici, il y a deux manières de la jouer. Soit on la joue classique avec fou G2, fou G7, D4, puis on prend, cavalier prend. Voilà, ça peut arriver par les East Indiennes et les Grünfeld quand on joue C5 rapidement avec les noirs. Roque, roque, cavalier C6, cavalier C3. Voilà, ça c'est la position principale. Il y a plein de manières de jouer ici. Hein. On peut jouer D6, on peut jouer cavalier prend D4, puis D6, et on peut jouer aussi dame A5. Je sais que Maxime Vaché-Lagrave et Étienne Bacro, ils jouent dame A5 dans ces positions. Donc voilà. Et donc on revient à notre position de départ. Après G6, il y a une autre manière de jouer. Donc on joue pas fou G2 D4, on peut jouer un double fianchetto. Et si on veut jouer un double fianchetto, il faut le jouer maintenant, parce que le fou, il n'a pas encore atteint la case G7. Donc, on joue B3 maintenant. C'est important, hein, l'ordre de coup. Donc là, c'est ce qu'il a préféré. Ulf, il préfère vraiment jouer calme, positionnel, construire sa position. Donc voilà. Fou G7, fou B2, cavalier C6. Pour l'instant, c'est un développement archi-standard des deux côtés. Fou G2, roque, roque.
Alors là, il faut jouer D6, hein, parce que des coups comme D5, vous pouvez oublier. Hein. Prise, prise, fou prend G7, roi prend G7, avec des affaiblissements un peu partout par là, c'est pas terrible. Non, il faut jouer D6 ici. Les blancs jouent D4, prise, prise. Fou D7, c'est le meilleur coup, donc on continue le développement. Et là, cavalier C3, c'est une position quand même qui est assez importante d'un point de vue théorique. Alors, ici, le coup principal. Alors, Ulf. Non, pas Ulf. Ulak. Ulak a joué A6 ici. A6. Alors, il y a deux plans ici. Le premier plan, c'est des simplifications par cavalier prend D4. Excusez-moi. Et le deuxième plan, c'est de jouer plutôt un plan pour essayer d'aller jouer B5. Donc, avec A6, tour B8, dame A5, tour FC8. Vous voyez, on garde les pièces, on joue pour B5. Ça, c'est le deuxième plan. Alors, pour jouer ce deuxième plan, on peut commencer soit par A6 comme il a fait Ulak, avec ensuite Dame A5, etc. Soit par Dame A5. Il n'y a pas de grosse différence. Pour moi, ça revient au même. Voilà. Et par contre, il y a l'autre plan avec cavalier prend D4. Alors, dans la partie, il a joué A6, il a joué le deuxième plan. Je vais vous montrer rapidement ce que dit la théorie sur le premier plan, après cavalier prend D4. Et oui, je pense à votre culture générale aussi. Dame prend D4. Fou C6. Vous voyez, l'idée c'est des simplifications générales. Et là, je pense que le coup le plus fort c'est Dame D2. C'est le coup prophylactique Dame D2. Après, cavalier, on peut aussi jouer cavalier D5. Fou prend D5, justement. Et là, je pense qu'il faut jouer fou prend D5. C prend D5, ça a été joué dans une partie de Wesley Zo contre Alexander Grichuk en 2015 à Saint-Louis. Et je pense que les noirs, ils égalisent. Ils jouent cavalier H5 maintenant. Dame D2, fou prend G7, roi prend G7. Dame D7, E4, tour AC8. Et vous voyez, ils vont faire tour C7. Si les blancs laissent faire, ils vont faire tour C7, tour FC8. Je vois pas pourquoi les blancs auraient un avantage ici. Ils ont de l'espace, mais ils ont le mauvais fou. Les noirs, le cavalier, c'est la meilleure pièce pour contrer. Donc là, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est prendre D5 ou Wesley Zo, c'est pas terrible. Grichuk, il n'a pas vu cavalier H5 et il était moins bien. Non, dans cette position, après fou C6, si vous jouez cavalier D5, fou prend, il faut reprendre avec le fou. Justement, on profite du fait qu'on ne peut pas reprendre à cause du mat en G7. Du coup, cavalier H5, c'est quand même le meilleur coup. Il faut se débarrasser de la paire de fou. Dame D2, fou prend B2, dame prend B2. En général, il faut jouer Dame B6 ici. Tour FD1. Cavalier F6. Fou F3. Donc déjà, le fou, il n'a pas de pion qui entrave sa diagonale. Et après, tour FC8. Tour D4. Tour C5. Tour AD1. Moi, je préfère personnellement un petit peu les blancs. Ici, il y a une petite arnaque typique. C'est qu'après un coup comme tour AC8, on peut regarder le positionnel. Tour prend D6. On sacrifie une qualité. Mais on va dominer tous les chiquets. Vous voyez, donc il y a eu des parties comme ça. Donc on revient à notre cavalier prend D4. Donc ça, c'est la ligne principale. Dame prend, fou C6. Donc après cavalier D5, c'est peut-être un petit avantage blanc. Mais après fou prend, il faut reprendre avec le fou. Voilà. Personnellement, je préfère par rapport à cavalier D5, qui est pas mal, je préfère encore plus dame D2. Ici. Après fou prend G2, roi prend G2, par exemple dame A5, je joue tour FD1, tour FC8, E4, j'ai plus d'espace ici, c'est beaucoup plus facile à jouer. A6, A4, par contre je ne permets pas B5, dame B6, dame C2, voilà, ce genre de position c'est mieux pour les blancs, il y a plus d'espace, bon, voilà. Donc ça c'est sur cavalier prend D4, alors à moins que vous analysiez cette position, que vous trouviez des trucs pour les noirs, moi je préfère un petit peu les blancs. Donc regardons ce qui s'est passé. Ulak, il n'a pas voulu jouer ses positions de simplification, il a joué A6. Alors ici, Anderson, il a placé sa tour en C1. Alors sachez qu'ici, la manière de jouer ses positions de nos jours, c'est plutôt cavalier C2. On a plus d'espace avec les blancs, donc on garde les pièces. C'est un principe important. Et cavalier C2, c'est assez intéressant. L'idée c'est quoi? C'est que, bon, déjà, on n'autorise pas qu'à aller prendre D4, et éventuellement, on peut repasser par E3, D5. Vous voyez? Ça arrive souvent dans les dragons accélérés aussi, ce genre de manœuvre. Je vous montre la partie Topalov-Grichuk. Il y a eu Dame A5, et là, cavalier D5 maintenant. Prise, fou prend G7,
Je pense que sur roi prend G7, il y a C prend D5, cavalier E5, H3, menaçant F4. Le cavalier, il menace d'être perdu au milieu de l'échiquier. C'est pas facile à jouer, il manque d'espace ici, les noirs. C'est pas comme tout à l'heure où j'avais le fou G2 contre le cavalier E5. Là, il y a aussi le cavalier C2 contre le fou D7. Ça, c'est gênant, je pense. Donc, je vous remonte la partie de Topalov Gritchuk, Londres 2012, cavalier C2, dame A5, cavalier D5. Il y a toujours cavalier D5 qui vient embêter les noirs dans ces positions-là. Cavalier prend. Et vous voyez, on ne peut pas jouer E6 dans cette structure à cause de dame prend D6. Donc oui, on a une majorité centrale avec E7, D6 contre E2, mais d'un autre côté, on ne peut pas avancer nos pions, ils sont statiques. Et le pion C4, il embête un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on essaye de le miner par B5. Donc cavalier D5, prise. Attendez, je regarde juste si le micro il marche parce que voilà, non, c'est bon. Parce que des fois, j'ai déjà fait des vidéos et au bout d'une demi-heure, je vois que le micro il n'enregistrait rien du tout. D'ailleurs, vous avez entendu pas de son dans certaines anciennes vidéos. Voilà. Enfin, vous avez entendu pas de son. Il n'y avait pas de son quoi. Ok, donc on reprend. Fou prend G7. Gritchouk, il a joué KC3, une petite arnaque, une petite combinaille, mais ça suffit pas. Prise, prise, cavalier E3, vous voyez? On met un relais. On peut pas jouer E6 toujours. Fou E6, tour C1, et c'est mieux pour les blancs. Voilà. Donc, je vous remontre depuis G6, B3, fou G7, fou B2, cavalier C6, fou G2. Donc, on fait notre double fianchetto, roc, roc, D6, D4. On prend l'espace, prise, prise, justement. Fou D7, cavalier C3. Donc on n'a pas peur. On n'a pas peur du vis-à-vis fou contre dame parce que le cavalier, il n'a pas de case intéressante. Maximum qu'il ait, c'est cavalier H5 ici. Et on vient en D2. Voilà. Donc dans la partie, il y a eu A6 par Ulac. L'idée, comme je vous ai dit, c'est plutôt de jouer du dame A5, tour FC8, tour AB8 et préparer B5. Après quoi, la majorité centrale pourra avancer. D5 E6 ou D5 E5. Mais tant qu'il y a le pion C4, elle ne peut rien faire. Et là, il a joué tour C1. Donc je vous dis, cavalier C2, c'est vraiment très intéressant. Avec qu'il est cavalier D5 ou cavalier E3, cavalier D5. Je vous enlève toutes ces flèches. Alors après tour C1, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué dame A5, là qu'il a continué. Et là, dans ces positions, alors voilà, j'ai souligné le pion A2. Pourquoi? Parce que maintenant que la tour a bougé de A1, il peut y avoir des problèmes sur A2, du contre-jeu. Je vais vous montrer comment. Si par exemple, là les noirs ont une menace. Si par exemple on joue un coup neutre, tour E1 pour jouer E4, par exemple, bah là, on prend en D4, on prend en D4, et bim, on joue fou C6. Bon, on se dit cavalier D5, prise, prise. Et là, on voit le problème de la tour en C1. Maintenant, dame prend A2. Et là, la dame noire va facilement s'échapper, soit par là, soit en prenant en B3. Donc, vous voyez, il y a quand même une menace directe. On menace simplement ici, après dame A5. En plus de jouer pour B5, on menace aussi à court terme, cavalier prend D4, puis fou C6. Et il n'y a plus de cavalier D5. Donc, dame A5 joue contre cavalier D5 à cause du pion A2. Ah, et ça compte. Donc ici, notre ami Anderson joue E3 justement pour consolider. Ce coup permet de consolider le cavalier D4. Donc sur cavalier prend D4, on est tranquille, on joue prend D4. Et surtout, ça donne une case supplémentaire à la dame, dame E2, pour jouer tour FD1 par exemple. Donc ces coups comme E3, c'est très typique. On ne joue pas E4 ici, on joue souvent E3 pour consolider. On jouera E4 bien plus tard. Souvent, ou jamais, on pourra jouer plus pour cavalier de D5. Parce qu'oubliez pas que E4, ça vous enferme quand même le fou G2. Donc il faut savoir à quel moment on le fait. Ok, donc après E3, il a joué tour FC8, notre ami Ulac. Et là vient la première question. Ah oui, vous n'allez pas vous en tirer avec zéro question quand même. Hein, première question. Alors, question d'ordre plutôt choix positionnel, on va dire. Alors, est-ce qu'ici, on joue plutôt dame E2, je suis gentil avec vous, est-ce qu'on joue plutôt dame E2 avec idée tour FD1, H3, on va peut-être jouer H3 pour ne pas prendre un fou G4 et tour FD1.
Ou est-ce qu'on joue plutôt... A3. Avec peut-être prise d'espace de l'autre côté ou enfin ou d'autres plans quoi. Donc voilà, ma première question, question d'ordre choix entre deux lignes, enfin choix d'un plan. Est-ce que après tour FC8, c'est plutôt dame E2 avec idée H3 tour FD1 ou plutôt tout ce qui est à base de A3? Je vous laisse réfléchir, mettez sur pause. Voilà, c'est fini. Quand je fais ça, ça veut dire que vous pouvez enlever la pause. Enfin, de toute façon, vous l'enlevez quand vous voulez, la pause. Hein. C'est-à-dire que je vais donner la réponse une fois que je fais ça. Alors, pour ceux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien le coup Dame E2, sachez que Ulf Andersson, dans cette partie en 83, il est arrivé avec une nouveauté. Sa nouveauté, c'était A3. Donc, ceux qui ont trouvé A3, c'est bien, mais est-ce que vous l'avez trouvé pour des bonnes raisons? Donc, on va en parler. Alors je vais vous montrer ce qui se passe sur Dame E2. Dame E2, c'est pas un mauvais coup, mais il y a un problème. Dame E2, tour à B8. Alors ici, il faut jouer H3, je pense. Parce que si vous jouez un coup comme tour FD1, souvent les noirs, ils ont un coup un petit peu qui compte pour du beurre, mais qui est embêtant. Un coup comme fou G4. Et après F3, simplement, on revient. Et on a forcé F3. Vous savez, les pions, ils reculent pas. Et donc on va devoir maintenant jouer avec cette nouvelle structure. Alors on va peut-être jouer le 4 et tout, mais... Le fou G2, j'étais quand même plus content quand il jouait. Sans parler des problèmes tactiques. Hein. Là, il y a des problèmes tactiques, c'est sûr. Donc, bon. Le problème, c'est qu'il faut jouer H3 ici. Préparant tour FD1. Et là, il y a un problème tactique. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Le problème, c'est B5. Bon, on se dit, c'est prend B5. A priori, qu'est-ce qui se passe? Alors on ne peut pas prendre ici évidemment à cause des coups comme cavalier C prend B5 et il y a des gros problèmes en C6. Ah, il peut peut-être prendre en D4 ici, mais... Attendez, j'ai mon ordi qui bug un petit peu. Ça arrive souvent, je pense que c'est un truc de carte graphique qu'il faut changer. Qu'il va falloir changer. Quand monsieur aura fini. Voilà, c'est bon. Donc, tac-tac, du coup, il m'a remis là. Excusez-moi pour le désagrément. Donc, après tour FC8 sur Dame E2, tour à B8, H3, le truc c'est qu'il y a B5. Si on prend en B5. A prend B5, faire attention à cavalier C prend B5. Et là, les blancs sont mieux. Non, mais ici, en fait, c'est cavalier prend D4. E prend D4. A prend B5. On donne le pion E7. Dame prend E7, B4. Cavalier D5, prise. Prise, prise. Dame prend D7. Et simplement, tour F8. Les blancs ont un mauvais fou. La dame en D5 est intouchable. Et surtout le pion de plus, il est contrôlé par le pion B4, il ira nulle part. Ici les noirs n'ont aucun problème malgré le pion de moins. Donc le problème de Dame E2, je la fais courte, le problème de Dame E2, pour ceux qui ont choisi Dame E2, c'est tour à B8, H3, et là le coup tactique B5. Voilà, c'est pour ça que Dame E2, H3, c'est pas terrible. Parce que concrètement, on a de la tactique ici avec B5, avec cette ligne en ligne principale, C prend D4, C prend B5, K prend D4, E prend D4, A prend B5. Et il faut voir qu'on donne le pion E7. C'est très fort de donner le pion E7 ici. Dame prend E7, B4, K et D5, prise, 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 prise. Et les blancs se retrouvaient avec un mauvais fou, un pion A2 arriéré. Mais ils ont un pion de plus, mais ça compte pas ici. La dame noire est trop active en D5. Moi, je préfère les noirs si je dois préférer quelqu'un. Dame tour F8, par exemple, on n'échange pas. Il n'y a aucun problème. Donc regardons. A3, il a joué A3, Ulf Andersson. À quoi ça sert A3? Bon, là qu'il a continué son plan, il a joué tour à B8. Alors pour ceux qui pensent que ça sert à jouer B4, ben, B4, vous pouvez oublier tout de suite.
Parce que B4, le problème c'est quoi? C'est que ça affaiblit le pion C4. N'oubliez pas, hein, vous jouez A3, B4, vous êtes tout content, vous prenez de l'espace, mais après le pion C4, il va falloir rendre des comptes. Parce que quand cavalier E5 va arriver, vous n'avez plus de pion B3. Ah oui, vous avancez un pion, vous affaiblissez la case d'à côté. Donc après B4, je joue simplement dame D8, et maintenant je joue cavalier E5, et la provoque a marché. Mon dame A5 a forcé A3, B4, mais ça affaiblit C4, ce qui va me donner du contre-jeu avec les noirs. Donc ceux qui pensaient qu'A3 c'était pour jouer B4, vous avez faux. C'est comme si vous aviez joué dame E2, H3. Hein, quoi d'autre? Après tour à B8, ceux qui pensent que A3 c'était juste pour protéger le pion A2 et ensuite jouer dame E2, bah en fait c'est pas terrible non plus. Mais je vais vous expliquer après pourquoi, parce que j'ai une question en fait dans la partie. Donc je vais pas vous dire la réponse. Ulf, lui il a joué A3 et il a trouvé tout de suite la bonne idée. Après tour à B8, il joue tour E1. Alors pourquoi tour E1 au lieu de dame E2? C'est toute la question. Et c'est toute la question, et je vais pas vous répondre tout de suite. C'est toute la pointe de la question aussi. Alors, dans la partie, notre ami Ulac, il a essayé de provoquer des affaiblissements, il a joué fou G4. C'est intéressant, fou G4, on va le regarder tout à l'heure. À noter que B5 ne marche plus du tout parce que maintenant, après prise, prise, on prend là. Et si maintenant vous prenez là, c'est plus la même. Hein. Je prends avec la tour. Il n'y a plus de B4 aussi. Vous voyez? Le pion A3, il sert aussi à quelque chose. Il empêche B4. Donc la ligne de tout à l'heure ne marche plus du tout. Donc A3, ça sert aussi à empêcher B5. Voilà. Alors ici, pour moi, le meilleur coup pour les noirs, et c'est d'ailleurs la théorie moderne, c'est dame D8. Alors, est-ce que l'idée c'est d'anticiper B4? Pas du tout. L'idée c'est pas d'anticiper B4 parce que B4, comme on a vu, c'était pas un problème à cause du cavalier E5 qui avait pris C4 qui allait arriver. Alors, pourquoi dame D8? C'est un coup prophylactique. Ok, bon. Après dame D8, il y a deux parties de Zoltán Rizvi, qui était un très très fort grand maître. Peut-être je ferai une partie de lui aussi, hein, dans C4, de l'époque d'Anderson. Et Ribly, lui, il a joué cavalier CE2. Vous voyez, je pense que ça devait être des grands copains, Anderson et Ribly. Que des coups un petit peu compliqués, comme ça, cavalier CE2. On protège le pion C4. Qu'est-ce qu'on veut faire ici avec les blancs? C'était quoi l'idée déjà? Peut-être qu'on veut jouer B4 maintenant. Et anticiper cavalier E5, parce qu'on prend, on prend de l'espace quand même. Bon, en tout cas, après cavalier CE2, vient la question numéro 2. Vient la question number 2. Ah, je suis déjà à 28 minutes. Je vais essayer de faire vite, hein. Allez, je m'endors en fait. Je m'endors, je regarde pas le temps, quoi. Mais là, j'ai pas dit que je vous faisais que 10 minutes. Donc après cavalier CE2, question number 2. Bah, il faut trouver du contre-jeu avec les noirs. Donc, quelle est la meilleure idée? Question, trouver du contre-jeu. Quelle est la meilleure idée pour les noirs? Donc, vous mettez sur pause, comme d'habitude, vous cherchez ici, essayez de me trouver comment les noirs doivent jouer. Parce qu'ils menacent quand même de se faire bien étouffer. C'est bon, je vous montre la réponse. Alors ici, il y en a peut-être certains qui ont regardé le coup. Bon, B5 marche pas, hein. B5 je prends simplement. Je prends, et le problème c'est que je menace cavalier prend C6, prend C6. Et sur cavalier prend D4, l'idée justement c'est de faire cavalier prend D4. Après A prend B5, peut-être un truc du style tour E2 maintenant. C'est un peu compliqué, mais ça doit être un peu mieux pour les blancs, cette position. Voilà. Certains d'entre vous ont peut-être regardé cavalier A7, ici. Mais là, il y a un coup intéressant. C'est B4, B5, C5. Vous voyez, c'est une des idées de cavalier CE2. La tour maintenant joue et supporte le pion C. D prend C5, B prend C5. Et là, le seul coup, c'est pas cavalier C6 qui perdrait une pièce. Prise, prise, dame prend D8. Tour prend D8, fou prend C6, ça perd une pièce. Non, ici, l'idée, après B prend C5, c'est dame E8.
Alors, c'est pas facile à anticiper, hein. Et après, dame E8, il y a quand même un coup. Cavalier F3. L'idée, c'est que sur cavalier F4, il y a E5. Et aussi, on empêche C6. On joue cavalier F3. Et là, les noirs peuvent peut-être jouer tour D8. C'est pas très clair, mais bon. Cavalier A7, vous voyez. Bon, après B4, B5, optiquement, ça a l'air mieux pour les blancs. Pour trouver un coup comme dame E8 en anticipant, c'est dur. Donc, je vais vous montrer la réponse maintenant. Pourquoi les noirs jouent dame D8? Il y a une idée positionnelle derrière. C'est que donc après ce cavalier CE2 dribbly, dribbly, il l'a joué deux fois quand même, cavalier CE2. On joue cavalier A5. C'est très important. B4 maintenant est pas possible à cause de cavalier prend C4. Sur un coup comme fou C3, on joue B6. Il a joué une partie contre Baclan, Ribly Baclan. Fou B4, cavalier B7, A4, cavalier C5, cavalier C3, E5. Et les noirs sont déjà très bien. Donc en fait, il est arrivé avec une nouveauté. Après cavalier A5, il a joué A4 cette fois-ci. Il empêche B5 physiquement. Et comment on réagit ici? C'est ça qui est difficile à trouver. Donc après cavalier A5, normalement A4, et les noirs peuvent plus du tout bouger. Mais en fait, ils ont quand même un coup. Ici, ils jouent fou C6, qui est très très fort positionnellement. Parce que justement, le coup A4, il a affaibli la case B4. Et là maintenant, si vous prenez en C6, bah je reprends du pion B. Et là, le cavalier A5 et la tour B8 pilonnent le pion B3 qui est arriéré. Vous voyez, c'est assez vicieux positionnellement. On est comme ça, on joue dame D8. Oups. L'autre, il joue cavalier CE2. Et là, on joue cavalier A5. Dame D8, une des idées, c'est de jouer cavalier A5. L'autre joue A4, il empêche B5. Et là, on joue le deuxième plan, le plan B. On joue fou C6. Et on profite du coup A4. Avec idée prise, prise. Et là, les noirs sont mieux. Pion B3 est pilonné de toutes parts. Donc voilà. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Hein, mais je vous ai dit, mes questions sont dures. Alors, il a joué fou G4, Ulac. Donc l'idée, c'est vraiment de provoquer un affaiblissement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Après F3, vous jouez fou D7. E4, et là par exemple, cavalier prend D4, dame prend D4, cavalier G4. Vous voyez, on attaque la dame, et surtout le roi, il est sur une diagonale qui vient de s'ouvrir. A7, G1. Du coup, dame B6, échec qui va arriver, par exemple sur ça. Dame B6, échec, ou dame C5, échec. Avec la case F2, très très pénible. Donc, après fou G4, faut pas jouer F3. Il a joué dame D2, Ulf Anderson, lui, il ne panique pas. Regardez les trois derniers coups de Ulf. C'est A3, tour B8, tour E1, un petit coup encore. On anticipe cavalier prend D4 pour faire reprendre D4 et tour prend E7. Et après fou G4, on continue à pas paniquer, on joue dame D2. Tout est contrôlé, les pièces s'interprotègent. Ok. Donc ici, Ulac et Hugo, à la Hugo, dame H5 pour envoyer les petites arnaques de l'autre côté. Ils aiment bien jouer comme ça en blitz. Ljubojevic, par exemple, à l'époque, il jouait comme ça. Et là, Anderson, il prend aucun risque encore. Il joue cavalier D5 maintenant. C'est l'heure de prendre un peu d'espace. Toujours ce coup cavalier D5 dans cette structure. Pour un moment, sceller l'avantage d'espace par ses prend D5. L'autre, il prend. Et là, il reprend du pion C, Ulf. Le problème, c'est que si on reprend du fou, cavalier E5, et on a un problème sur la case F3 quand même. Par exemple, fou G2. On peut même rejouer peut-être ici cavalier D7. On peut jouer fou H3. Mais on peut aussi jouer cavalier D7, et puis cavalier C5, qui est pas mal aussi. Bon, bref. Et après B4, on peut continuer à embêter tout le monde et jouer cavalier D7. Vous voyez, ça fait deux fois qu'il revient en D7, mais c'est pour provoquer des affaiblissements. Et la dame en H5, elle est pas mal parce qu'elle empêche H3 et voilà. Et sur un coup comme F3, on joue fou H3, G4, dame H4. On perd pas la dame, elle est bien la dame ici. Et ça a l'air dangereux pour les noirs, mais en fait, la provoque a marché et finalement, c'est les noirs qui sont mieux. Faites attention à ce genre de coup de dame provocateur là, dame H5. Ce genre de coup de dame H5, ça peut être. C'est pas parce qu'on joue F3 G4 qu'on a gagné la partie. On peut jouer un dame H4 et le fou est très loin de la case F2 qui pourrait attaquer la dame. Vous voyez?
Donc, bon. Alors, il a joué cavalier D5. Cavalier prend D5. C prend D5. Et là vient la question numéro 3. Question jugement positionnel. Vous avez deux coups à votre disposition. Vous avez cavalier E5 ici ou cavalier prend D4. C'est quoi le mieux? Qu'est-ce qu'il a fait Anderson? Est-ce qu'il vaut mieux prendre en D4 ou jouer cavalier E5 ici? Je vous laisse réfléchir, hein, mettez pause, réfléchissez. Fin. Alors pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse c'est cavalier prend D4, bravo. Cavalier E5, j'aime moins. Parce qu'on a moins d'espace, et quand on a moins d'espace, je vous l'ai dit tout à l'heure, on échange. Là, cavalier E5, ça permettrait E4. Je continue à prendre de l'espace maintenant, vous voyez, je fais évoluer la structure. Et par exemple, après fou F3 ou fou H3, je jouerai F4. Cavalier G4, ça sert à rien du tout, puisque la dame en D2, elle protège H2 par rayon X. Donc, cavalier G4, par exemple, je joue fou F3, fin des haricots, il n'y a pas d'attaque pour les noirs. Donc voilà, après F4, il faut jouer cavalier D7. On joue tour C3, on va doubler, c'est un peu mieux pour les blancs. Vous voyez, c'est ce genre de position, je préfère les blancs. Donc cavalier E5, E4, c'est un petit peu gênant à jouer. Dans la partie, Ulf, il a compris, il a pris. Pris, pris, pris. Donc c'est presque nul, parce que regardez, les blancs, ils sont quand même embêtés, ils peuvent pas jouer F3, ils peuvent pas jouer H3. Le fou, c'est techniquement un mauvais fou, parce qu'il est de la couleur du pion D5. Et bon, alors les noirs ils ont pas tout bien quand même, c'est-à-dire que leur dame en H5 elle est quand même bien de l'autre côté quoi, c'est-à-dire qu'elle peut être quand même hors jeu, faut faire attention à ça. Les blancs ils peuvent éventuellement envoyer une accélération à l'aile dame avec du dame A7 ou dame B6 à un moment donné, il faut. C'est pas encore nul ici. Alors justement, vient la question numéro 4, question les échanges. Numéro 4, donc vous voyez, vous en avez plein d'un coup là, tout à coup. Les échanges. Ici, est-ce qu'il faut. Bon, de toute façon, les noirs doivent échanger. Est-ce qu'ils doivent échanger plutôt le fou par fou F3 et jouer la finale de pièces lourdes? Ou est-ce qu'ils doivent jouer plutôt. Les noirs, est-ce qu'ils doivent jouer plutôt tour prend C1 et échanger plutôt les tours? Voilà, donc question numéro 4, question échange. Vous savez, c'est un gros thème aux échecs, les échanges. Donc mettez sur pause et réfléchissez. Je vous dis, hein, mes thèmes, ils sont difficiles. Ils sont difficiles et les questions aussi, hein. Mais comme je l'explique, tout le monde peut y apprendre quelque chose. Quand je dis tout le monde, ça va du parfait débutant au maître international, hein, même au grand maître. Mais moi j'étais content en regardant cette partie. Et mine de rien, vous savez, là j'y passe du temps là, mais même la préparation elle est longue, hein. J'ai mis 3-4 heures à préparer une partie comme ça. Et après, je vous parle même pas du montage et tout. Donc, eh oui, donc c'est pour ça que j'attends mes 1000 vues, j'attends mes pouces bleus, hein. Vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez des pouces bleus. Ça me rend content, ça vous rend peut-être certains d'entre vous contents que je sois content, et en plus vous en avez une plus vite. Voilà, donc. Une autre partie, je veux dire. Alors, on arrête les, on arrête, on met pause, on arrête la pause, je veux dire. Ici, dans la partie, il y a eu fou F3. Moi, je pense que fou F3, c'est une erreur. Je pense qu'il fallait jouer tour prend C1 dans cette position, tour prend C1 et garder le fou G4 pour permettre tour C8. Fallait faire un échange généralisé des tours. Et après, par exemple, tour prend C8, fou prend C8. Je pense que les blancs, ils ont pas assez pour aller embêter sur dame C3 pour essayer de faire dame C7. J'ai dame D1 échec toujours. Faut pas l'oublier ça tactiquement. Donc non, à mon avis, les noirs, enfin, les noirs sont OK. Ils ont dame E2 qui va arriver. Aucun problème ici. Et si on joue tour C4, donc je répète, tour prend C1, tour prend C1, tour C8, on peut jouer tour C4 au lieu de tour prend C8. Là, on prend simplement et on joue fou H3 et maintenant on est OK. On contrôle la case d'entrée, tour C, dame C8 échec. Et à chaque fois, n'oubliez pas que fou H3, ça libère la diagonale
H5 D1. Donc dame D1 échec qui arrive, hein. C'est grave. Là, je peux pas faire dame D1, mais après fou H3, je peux le faire. Donc je pense que tour prend C1, tour prend C1, tour C8, on était sur la bonne voie de l'égalisation. Alors, après fou F3, pourquoi c'est pas terrible? Parce que Anderson, il a trouvé un super coup ici. Il s'amuse pas à échanger. Ça sert à rien d'échanger maintenant, parce qu'on reprend et on peut plus reprendre la colonne C. Donc, et sur un coup comme dame B6, c'est beaucoup trop lent. On va faire dame prend D5. Ici, après fou F3, il a joué un super coup. Il a joué tour C4. Tour C4, ça sert à quoi? Bah, ça sert simplement que si il prend C4, je reprends de la dame. Et là, les noirs ne peuvent plus jouer de tour C8. Donc, je suis maître de la colonne C. Et ça a son importance. L'autre idée, c'est simplement que j'évacue la case C1 pour y mettre l'autre tour qui joue pas en E1. Donc voilà, faut y penser à ces coups, hein, comme tour C4. C'est des coups très techniques. Hein, on s'amuse pas à jouer tour prend C8 et tout, quoi. Donc fou F3, tour C4. Ulac, il est tout content, il fait fou prend G2, roi prend G2, mais il fait ça contre le maître des finales, Anderson. Donc oui, il échange tout, mais Anderson a quand même son petit avantage d'espace. Et là, il y a trois pièces lourdes contre trois pièces lourdes. Vient notre cinquième question. Je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai gâté. J'étais de bonne humeur avec vos pouces bleus. Donc, question number 5. Numéro 5. Question, on peut encore sauver la partie? Bah oui, parce que là, les noirs commencent à être pas bien. Les noirs commencent à être pas bien. Ici, on commence à mal jouer là dans cette phase de jeu. On est au 21e coup. On peut avoir une finale catastrophique. Donc, question, on peut encore sauver la partie? Vous mettez pause. Les noirs doivent réagir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ici pour rester dans la partie? Entre guillemets, rester dans la partie. C'est pour pas être complètement moins bien tout de suite. Il y a encore des solutions, mais il ne faut pas les rater. Parce que là, ça va devenir critique. Donc vous mettez pause et vous essayez de chercher ce qu'ont fait les noirs. Fin. Ici, il a joué dame F5 dans la partie. Il s'est dit, je vais ramener la dame en jeu, en D7. Je vais menacer peut-être tour prend C4, tour C8. Et puis, je vais être OK. Ben, en fait, c'est une grosse faute. Et après ça, il est très très mal techniquement parlant. La seule idée dans cette position, c'était de jouer tour prend C4. L'idée des blancs, évidemment, c'est dame prend C4. Hein. C'est d'être maître de la colonne C, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite de jouer tour C1, dame C7 à un moment donné. Enfin, il va falloir d'abord défendre D5 parce qu'il y a dame prend D5. Et justement, après dame prend C4, il faut voir B5. Donc pour ceux qui ont vu tour prend C4 et B5, bravo. L'idée de B5, c'est quoi? C'est que la dame, elle est rivée à la protection du pion D. Donc elle ne peut pas aller n'importe où. Si elle vient en D4, par exemple, elle donne vous donner la colonne C. Donc ici, simplement, je fais tour C8. Et j'aurai du contre-jeu, j'ai plus de problème. Non, non, ici, il faut rester en C6. Pour protéger le pion D5, parce que la dame voilà, attaque. Et là, toute l'idée, c'est un coup comme dame E5. Et ça, c'est très dur à voir, par contre. Peut-être vous avez trouvé B5, mais trouver dame E5, je pense pas. Même si vous êtes maître ou grand maître. Hein. Ça, moi, je suis sûr que vous n'avez pas trouvé. Donc, voilà, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un petit peu de contre-jeu par dame B2. Vous pouvez pas prendre en A6 à cause de dame prend D5 échec. Voilà. Et je prends en B3. Donc comment vous faites? Vous faites E4 pour protéger D5. Et là, je fais dame B2. C'est important d'avoir du contre-jeu ici. Il ne faut pas laisser la dame en H5. Dame prend A6, dame prend B3, tour C1, dame D3. Vous voyez, je vais contre-attaquer là-bas. La dame, elle est en jeu. Aucun problème pour les noirs. Mais il fallait réagir. Et là, il fallait réagir grâce à la tactique. Tour prend C4, dame prend C4. Je vous enlève les flèches. B5. Dame C6, dame E5. Avec du dame B2 qui arrive. Ok, donc on regarde ce qui s'est passé. Il y a eu dame F5. Anderson, il double simplement. Et maintenant, sur tour prend C4, dame prend C4. Terminé. On est maître de la colonne C, on n'est plus jamais embêté. C'est pour ça qu'il fallait faire tour prend C4, dame prend B5, dame C6, dame E5. On donne la colonne C, mais on rentre en B2. Dans la partie, il ne peut pas rentrer en B2. Il ne peut pas rentrer en C2, en F5, on ne rentre pas en C2, quoi.
Il a joué dame d7. Il s'est dit, je vais jouer un peu, je vais jouer solide. Alors, jouer ce genre de position contre Ulf Andersson, ça y est, les blancs sont un peu mieux. C'est très difficile. Alors, Ulf commence à prendre l'espace, joue E4. Et là, on commence à pas avoir des masses de coups quand même. C'est-à-dire que le pion E, il peut pas bouger, le roi, il peut pas bouger parce qu'il y a mat. Sur B5, ben, on donne la case C6, c'est pas terrible. Éventuellement, je vais pouvoir jouer dame B6 et tour C7. J'ai plein d'espace avec les blancs, les noirs, on n'arrive pas à trouver de coups. Si on joue des coups neutres comme dame D8, est-ce qu'on peut jouer dame C3? Il y a dame C3 qui arrive. Bon. Et en plus, je vous parle pas des coups comme E5 ou F4, E5. Bon, ça, je pense pas parce qu'il y aura dame G4 à chaque fois, dame E2 échec, mais bon. Sait-on jamais. Il a joué F6. Ulac. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre un peu d'espace, jouer roi F7, bon, et attendre. Il aimerait bien tout échanger, Ulac, et jouer une finale de dame. Anderson, il joue dame C3, il prend la colonne C, prise. Et évidemment, on regarde même pas B prend, il faut faire dame prend. On est maître de la colonne C ici. On a plus d'espace, on est maître de la colonne C. Par contre, il faut éviter que la dame noire elle rentre dans notre camp. Donc pour l'instant, toutes les cases sont contrôlées. D5, E4 contrôle bien les cases. Sur dame G4, je joue simplement H3. Il n'y a pas de dame E2 à cause de la dame en C4. Tout va bien. Donc ici, colonne C et plus d'espace. Je vous dis que c'est très technique la position d'aujourd'hui. Il joue roi F7, Ulac, il attend. Et là, question numéro 6, c'est la dernière. Question numéro 6, question technique en finale. Vous mettez pause comme d'habitude. Quel fut le coup d'Ulf Anderson ici? Vous mettez pause, vous cherchez. Question technique en finale, quel fut le coup de Ulf Anderson? Il a la colonne C, plus d'espace. Comment il réalise techniquement cet avantage? Vous mettez fin de la recherche. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qu'on trouvait. Je pense que vous avez dû regarder des coups comme dame C7 ici. Et après prise, prise, roi E8. Les noirs vont s'en sortir. Ils vont faire roi D8. Ça reste mieux pour les blancs. Hein. G4, un petit coup comme G4. Roi D8, tour C3. Là, il faut calculer tour C8. Et à mon avis, il faut calculer la finale de pion, tour rond C8. Les blancs sont un peu mieux, mais est-ce que ça gagne? J'ai envie de vous dire, j'ai pas que ça à faire de calculer cette finale de pion. Et il me faudrait 5 heures ou 10 heures. Non, je les ai pas. Et sur tour H3, tour C1, on va trouver du contre-jeu. On va donner H7, mais on va aller embêter les pions E4, B3, A3. Donc ça devrait aller pour les noirs. Donc après roi F7, on revient à ça. C'est pas dame C7 qu'il faut jouer. Prise, prise, roi E8, et à mon avis, les noirs ont du contre-jeu. Regardez ce qu'il a fait Anderson. H3. Alors chapeau, si vous l'avez trouvé. C'est pour ça, hein, les amateurs, décomplexez-vous, parce que même les 2300, 2400, ils trouveront pas. Hein. Donc tout le monde dans le même bain. Hein. Voilà. H3, c'est un super coup, parce qu'on continue à prendre l'espace. Il n'y a pas de dame G4, excusez-moi. Pas de dame G4, pas de dame F5, pas de dame E6. On continue à prendre les cases de la dame. On continue à améliorer la position ici. Et là, ça devient très difficile de trouver un coup pour les noirs. L'idée c'est quoi? C'est que si on continue d'attendre par un coup comme roi G7, par exemple, maintenant on joue dame C7. Et là on a gagné un gros tempo, il n'y a plus de roi E8 à la fin. Eh oui. Est-ce qu'un coup comme roi E8 qui anticipe dame C7 est possible? Peut-être, mais là on peut peut-être préparer G4. H3 ça sert aussi à préparer G4, à continuer à prendre l'espace. Peut-être roi E8 c'était le meilleur coup ici. Ou H5, vous voyez? Après quoi, on empêche G4, mais peut-être il y a tour C3. Ça reste très technique, très difficile à réaliser si les noirs jouent bien. Mais il faut encore trouver un coup intelligent ici pour les noirs. Il ne faut pas trop dégrader sa position. À mon sens, c'était H5 ou Roi E8. Où là, Ulac, il n'a pas trouvé. Il a joué F5, un coup actif. Il veut de l'espace pour sa dame. Mais le problème, c'est que dans des positions avec des pièces lourdes, quand on joue un coup comme F5,
On affaiblit son roi. Donc oui, on va avoir de l'espace pour la dame, mais le roi, il en prend un coup. Il a plus de roque ici. C'est catastrophique, F5. Donc F5, c'est une grosse erreur. Et là, Ulf Anderson, il va pas le rater. Il joue tour C3. Petit rook lift. Avec tour F3 qui va arriver. Et là, on n'est pas content d'avoir joué F5. Hein. On aurait bien aimé faire F6 revient. Hein. Il a pris, il a pris. Et là, regardez le roi noir. Le roi noir est vraiment en danger. Moi, j'ai perdu une position comme ça contre Mikhaïl Gourevitch, contre le grand maître Mikhaïl Gourevitch, il y a 15 ans peut-être. Et pareil, c'était un truc technique. Mais mon roi était bien plus protégé. Et il m'a fait la même chose. Il m'a embêté avec ses pièces lourdes. Et il n'y avait presque rien. Et... Mais là, c'est encore pire. C'est. Tour F8. Essaye de faire un roque artificiel. Et là, j'avais envie de vous reposer une question, mais je vais pas vous en poser 18, quoi. Donc, ici, Ulf Anderson, comment il a achevé Krunoslav Vlach? Bah, il a joué A4. C'est du même acabit qu'H3. Il commence pas les opérations lourdes tout de suite. Il améliore sa position au maximum. C'est lui qui est mieux. Il a annihilé le contre-jeu, donc les noirs peuvent jouer que passif. Et quand les noirs, ils sont dans ce genre de position, ils peuvent jouer que passif, bah, il ne faut pas se presser. On joue A4, H3, enfin on améliore sa position si on peut encore l'améliorer. Et Ulf Anderson, lui, il le fait de façon extrême. C'est-à-dire, il va vraiment jouer les coups d'amélioration ultimes. Après, il tentera quelque chose. L'autre joue roi G7. Alors là, l'idée, c'est peut-être de jouer dame F5 pour respirer un peu. Ça aurait mérité une question. Vous pouvez réfléchir un petit peu si vous voulez. Ici, lui a joué G4. Il lui pique la case à la dame. Et il joue contre la dame. Il fait une restriction de dame D7. Prend les cases à la dame. Vous voyez, des coups comme H3, A4, G4, c'est des coups très 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 difficiles. Il y en a plus d'un qui aurait joué dame C7 rapidement. Quoi. Mais il y a un rythme dans ces positions, dans ces finales complexes. Et Ulf Anderson, il était vraiment très fort pour jouer ce genre de coup. Vous voyez, je voulais vous trouver une finale comme ça. Donc il a joué tour F6, lui là qui ne peut plus qu'attendre. Anderson, il joue dame D4, il menace G5, l'autre joue G5. Et là, maintenant, il utilise un petit piège tactique, il joue F4. Voilà. Là, c'est normal que la tactique marche, parce que sur pion prend, c'est facile, on pique la tour. Donc il joue H6, et on joue F5. Et là, par contre, la dame, elle en prend un coup au niveau de la restriction. Le pion qui était en F2, eh ben on l'a mis en F5, c'est quand même une petite amélioration. Alors là, c'est fini complètement. Mais regardez, c'est un boa constrictor, notre ami Ulf Anderson. Dame D8, dame B4. Il attaque le pion B. Il veut forcer un affaiblissement. Vous voyez, si le pion bouge, il y a tour C6. La tour F6 est complètement en jeu, on n'en parle plus. Tour F7, avec des petites arnaques à base de E6 si on prend en B7. Vous voyez, prise de E6. On s'amuse pas à lui donner de la tactique comme ça, même si ça reste bien pour les blancs. Hein. Ulf, il joue tour C4. Pourquoi? Ben, il va faire un relais. Tour devant, dame derrière. Il va gagner un tempo avec échec, puis il va faire tour C8, un truc comme ça. Roi H7, dame C3. Vous voyez? Que des petits coups. Tour C4, dame C3. Dame G8, tour C7. B5. Alors là, on peut jouer à 5, évidemment. Mais lui, il a décidé de gagner le pion, dame D3. Il a estimé que c'était le moment quand même d'aller encaisser. Roi H8, dame prend B5. Regardez, la tour elle est hors jeu, la dame elle est là. Maintenant il va aller échanger, il va gagner avec le pion B. Dame A8, dame C4. Comme ça sur dame A2, il joue dame C2 tranquillement. Ou il peut même jouer Roi G3. Et il a joué dame C2. Dame A6, B4. La tour en F7, elle peut même pas bouger, la tour prend E7. Roi G8, dame E4. Faut juste contrôler qu'il n'y a pas d'échec perpétuel ici. Il n'y en aura jamais avec la. La dame E4 et la tour C2. Tour C2, dame B3, B5. On utilise un peu la tactique maintenant. Sur dame prend B5, ça sert à ça la tactique. Dame E6, et je vais le mater maintenant. Je vais jouer tour C8, dame G6, échec. C'est fini. Donc l'autre il peut pas prendre, il a joué H5 pour essayer d'avoir du contre-jeu. Là il a joué dame C4. Vous voyez, il n'a aucun remords à échanger maintenant. Il a le pion B en plus. Enfin, voilà. Il y a eu dame B1, dame E4, dame B3. Bon, je les prends. Mais là, ça reste. Il a joué F6 échec avec dame G6 qui arrive. Sur tour prend, il y a dame prend E7. Sur E prend, il y a dame G6 et c'est mat. Roi F8, tour C8, roi E7, échec, tac, mat. Voilà.
Et l'autre a abandonné après F6 échec. Vous voyez, c'était pour vous montrer un peu comment ça se joue ces positions graduellement avec de l'espace. Et puis les échanges, c'est très important. La tactique, ça sert pas qu'à mater, vous voyez, ça sert à planter des petits pièges, à gagner des cases et tout. Et surtout les petits coups d'amélioration dans la finale quand l'autre a une défense passive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, j'ai explosé tous les scores avec 55 minutes. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein. Pouce bleu, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche aussi, là, comme ça vous avez des notifications quand je fais une vidéo. C'est à côté de là où vous mettez les pouces, je crois. Je l'ai pas devant les yeux, mais. Et donc, dès que les. Là, on est en état de 925, dès que les 1000 y sont atteints, dans ce cas ils de limite, j'en fais une. Voilà. Moi, je ne les fais pas avant, hein. J'attends, je vous avais dit, à partir de 1000, donc voilà. Donc, j'espère que voilà, ça vous a plu, et puis à la prochaine. Et rappelez-vous, hein, je lis vos commentaires, je n'interviens pas, c'est fait sciemment, mais voilà, ça me fait plaisir en tout cas, et merci à vous, et puis je vous dis à la prochaine.